Bonjour et bienvenue sur notre guide vidéo d'installation de la mosaïque Subway. Voici ce dont vous aurez besoin. Un nettoyant dégraissant, un niveau, un crayon, un cutter, une règle métallique, un tapis de coupe et un mètre ruban. Nettoyez d'abord la surface de travail et laissez sécher. Mesurez la hauteur de la mosaïque. Reportez cette mesure sur le mur à partir du rebord du plan de travail et ce, tous les 30 ou 40 cm de la surface à couvrir. À l'aide du niveau, tracez une ligne droite reliant toutes vos marques de référence. Le haut de la mosaïque devra suivre cette ligne. Ainsi, si le plan de travail n'est pas tout à fait de niveau, la mosaïque, elle, le sera. La pose de la première mosaïque doit toujours débuter par un coin du plan de travail. Les extrémités de la mosaïque étant de forme imbriquée, nous devons d'abord découper et retirer les trois sections de briques excédentes. Sur une autre mosaïque, nous appliquerons les trois briques découpées précédemment dans les espaces imbriqués. Nous aurons ainsi nos deux mosaïques de coin. Le joint des deux mosaïques en coin ne doit pas comporter d'espace blanc. À l'aide du couteau et de la règle, retirez cette bande blanche. Nous voici fin prêts pour la pose des deux mosaïques de coin. Retirez et pliez la pellicule sur environ 5 cm. Alignez la mosaïque sur le trait de crayon et le coin de plan de travail et pressez fortement pour bien coller la pièce. Retirez ensuite lentement la pellicule. Appliquez une pression sur toute la surface afin de bien coller la mosaïque. Au tour maintenant de l'autre mosaïque de coin. Même principe. Alignez la mosaïque sur le trait de crayon et le coin du plan de travail. Retirez lentement la pellicule. Et appliquez une pression sur toute la surface. Le reste est un jeu d'enfant. Il s'agit d'appliquer des mosaïques en les imbriquant les unes dans les autres. Et voilà, vraiment simple. Il se peut que vous finissiez un bout de plan de travail avec une mosaïque pleine. Dans ce cas, vous devrez compléter les imbriqués intérieurs. Prenez une nouvelle mosaïque et découpez les trois imbriqués extérieurs afin d'obtenir trois demi-briques.
Appliquez ces trois demi-briques dans les trois espaces vides. Vous complétez ainsi la finition de l'extrémité du plan de travail. Si vous terminez par contre avec un espace plus petit qu'une mosaïque pleine, mesurez la distance requise. Reportez cette mesure sur la mosaïque. Coupez. Ôtez la pellicule. Et collez. En un tour de main, nous voilà avec une cuisine complètement transformée. Simple, efficace et professionnelle.